bulle de sel. Je sais pas si vous connaissez, moi j'apprends à découvrir et franchement, j'adore. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo où on va parler créatrice exactement. Et on va parler de bulle de sel. Alors bulle de sel, c'est une créatrice. Je vais prendre mon téléphone pour pas vous dire de bêtises. Et je veux vous lire exactement... ce qu'elle met, parce que franchement, à chaque fois, j'ai trouvé sa présentation de boutique très jolie. Alors en fait, bulle de sel, elle met selon une vieille légende bretonne, les sirènes transforment les cristaux de sel en perles des plus délicates. On les trouve échouées sur le sable doré d'une plage mystérieuse en Bretagne. Assemblées avec délicatesse et raffinement, elles donnent naissance à des bijoux poétiques. Venez les découvrir. Donc vous pouvez retrouver Bulle de Sel sur Instagram. Je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos et tout ça de toute façon. Mais j'ai trouvé la présentation de sa boutique très mignonne et très très jolie. Et je sais pas, quand j'ai vu ses créations, je me suis dit c'est hyper sympa et ça peut que vous plaire. En plus de ça, Bulle de Sel, elle a des créations qui sont en dessous de 10€. Donc je trouve ça hyper sympa aussi de faire des petits prix et de pouvoir, tout le monde peut se faire plaisir à un moment ou à un autre. Donc voilà, j'ai reçu de la part de Bulle de Sel Émilie, de la créatrice de bulle de sel qui s'appelle Émilie, plusieurs créations que je vais vous montrer là. Déjà il y a celle que je porte, donc attendez je vais me rapprocher. Donc ce sont des boucles d'oreilles, attendez je vais en enlever une pour vous la montrer de plus près, ce sera plus simple. Hop, donc voilà, ce sont des boucles d'oreilles qui sont comme ça, voilà, donc elles sont très jolies avec des petits pompons, des petites pampilles et tout et tout, enfin voilà, moi j'aime bien les porter parce qu'en plus elles sont pas lourdes, donc ça c'est vraiment super appréciable de qu'elles soient pas lourdes. Et j'ai reçu également deux autres créations dont je vais vous montrer. Donc on reçoit ça dans un petit pochon en papier craft comme ça, avec un petit ruban de lin ou je sais quoi. C'est vraiment très sympa. Vous avez des petites étiquettes merci et tout. J'ai trouvé ça très très joli et très très raffiné en fait. Et j'aime bien le fait que ce soit du papier craft. Vous avez un petit tampon différent. Donc j'ai trouvé ça trop chou aussi. Vous avez également le petit masking tape derrière qui est assez sympa. Et j'ai reçu également une petite carte comme ça. Enfin voilà, tout est vraiment dans le style. Tout est vraiment très joli. Donc je vais vous montrer sa petite carte. Et la présentation de sa petite carte, je la trouve vraiment très belle. Donc voilà, bulle de sel. Si vous voulez avoir les infos et tout, de toute façon je vous remettrai tout en barre d'infos. Donc comme je vous ai dit, la première création que j'ai reçue, c'est celle-ci que j'aime beaucoup beaucoup. Franchement je les adore, ces petites boucles d'oreilles. Elles sont vraiment très jolies et très faciles à porter. La deuxième création que j'ai reçue, elles sont beaucoup plus simples, enfin beaucoup plus petites, mais j'aime beaucoup aussi. Et pour l'été je trouve que c'est hyper facile à porter, donc ça c'est cool. C'est celle-ci. Enfin, ce sont des petites boucles d'oreilles, voilà, dormeuses, avec des petits cactus. Donc voilà, ça à porter l'été, je trouve ça hyper sympa. Elles sont vraiment très belles, pareil, je les ai déjà... en général, quand je vous présente des bijoux, je les ai tous portés au moins une fois. Et donc voilà ce que ça donne, c'est assez joli, c'est assez petit, c'est sympa. Et je sais que tout le monde n'aime pas porter de grosses boucles d'oreilles. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter des plus fines aussi. Et la dernière paire que j'ai reçue de bulles de sel, ce sont celles-ci. Et elles sont magnifiques. Celles-ci, pareil, je les ai déjà portées une fois. Et j'adore les porter, elles sont vraiment très jolies. Voilà, il y a la pampille bleue, hein, parce qu'elle tourne. Donc voilà, en fait c'est une espèce de créole comme ça. Et je vais vous en mettre une pour vous montrer ce que ça donne. Et j'aime bien le principe, je trouve vraiment très sympa. Voilà un petit peu ce que ça donne, celle-ci portée. Donc vous voyez, vous avez le petit truc qui descend derrière. Ça bouge pas, franchement, sur l'oreille, moi j'ai pas eu de soucis, ça bouge pas. Mais je les trouve vraiment très jolies. Donc voilà un petit peu ce que moi j'ai reçu de bulle de sel. Je vais vous mettre tout de suite d'autres créations qu'elle peut faire. Et je dois vous avouer que j'ai vu une petite paire de boucles dans les tons un peu jaune moutarde avec une petite étoile qui me fait extrêmement de l'œil. Je vous laisse tout de suite avec les quelques photos de sa boutique. Bah écoutez, j'espère en tout cas
pas que les créations de Bulle de Sel vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir sa boutique, n'hésitez pas à aller lui poser des questions si vous avez des questions à lui poser. En attendant, moi je suis hyper contente de pouvoir vous présenter encore une créatrice, parce qu'en général les créatrices que je vous présente sont des créatrices que j'aime beaucoup, des créatrices que je découvre, que j'apprends à découvrir. Je prends du temps à tester les bijoux parce que j'aime bien voir si ça tient dans le temps, etc. Donc je mets un peu de temps en général à faire les vidéos quand je reçois les bijoux. Je mets à peu près un mois à faire la vidéo quand je reçois les bijoux. Mais en attendant, je suis vraiment très très contente de pouvoir vous parler de créateurs et de créatrices, parce que c'est quelque chose, comme vous savez, qui me tient vraiment à cœur. Je remercie énormément Émilie de Bulle de Sel de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Je sais que je t'ai fait attendre beaucoup, Émilie. J'espère en attendant que tu m'en voudras pas trop. Et j'espère en tout cas que vous allez prendre plaisir à faire des achats dans sa boutique et à vous faire plaisir surtout, parce que c'est bien là le principal. Et au passage, pour celles qui l'auraient remarqué, oui, j'ai changé de lunettes. Donc c'est la première vidéo que je fais avec mes nouvelles lunettes, donc j'espère que ça vous plaira. Mais mon mari n'arrête pas de me dire, on ne voit que tes yeux. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !